Bonjour à tous, je vous propose de commencer tout de suite, on a un tout petit peu de retard sur le démarrage. Voilà, on a la chance d'accueillir aujourd'hui Yaël Nazé, et on l'accueille dans le cadre donc de ce salon du livre et de son dernier livre qui s'intitule « Astronomie de l'étrange », ce sera aussi le titre de sa conférence. Alors Yaël Nazé, je vais vous la présenter quand même, bien que j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent, elle est astronome, maître de recherche au FNRS. Alors d'ailleurs, je ne sais même plus ce que ça veut dire FNRS, mais en gros c'est comme CNRS, mais en Belgique, quoi. C'est le fond, voilà, j'allais dire fédération, mais je savais bien que ce n'est pas la fédération. Le Fonds national de recherche scientifique. Voilà. Donc, Yaël Nazé travaille actuellement à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège, donc en Belgique, à l'autre bout de la Belgique par rapport à ici. Je ne vais pas vous donner les titres des très nombreux ouvrages qu'elle a déjà publiés, et d'ailleurs vous en trouverez plein à la librairie là-haut, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et donc je vous laisse démarrer. Voilà. Bonjour à tous. Et oui, donc on va parler d'astronomie de l'étrange, mais ça va être quand même un petit peu particulier parce que bon, forcément avec un titre pareil, hein, bon, il faut autant faire un petit peu amusant. Et donc moi, ce que je vous propose ici, c'est une conférence quelque part dont vous êtes le héros. Je ne sais pas si vous connaissez ces bouquins dans le temps. Moi, j'en avais quand j'étais petit, les livres dont vous êtes le héros. Mais ici, c'est la conférence dont vous êtes le héros parce que c'est vous qui allez choisir les thèmes. Alors ça peut vous paraître un petit peu nébuleux, mais voilà, vous avez ici un certain nombre de propositions. Et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Alors nous avons un petit astronaute qui pleure, nous avons le coyote, hein, pour ceux qui connaissent Bip Bip et le coyote, nous avons un signal attention, nous avons un petit truc comique, nous avons un jeu, nous avons un gars avec une grande oreille, on a pop musique et puis on a le petit drapeau. À vous de choisir. Moi je ferai en fonction. Le coyote ? Allez. Donc un petit coyote qui fait « Oups !» C'est que de temps en temps, eh bien, les astronomes se trompent. On présente toujours les grands astronomes qui font des grandes découvertes. Et puis, de temps en temps, il y en a qui se trompent, mais ça, on vous le dit beaucoup plus rarement. Et donc, un exemple, c'est ici, en fait, on va retourner en 1962 en Haute-Provence, l'Observatoire de Haute-Provence, où est mon époux justement en ce moment. Et vous avez donc des astronomes français qui observent des étoiles. Et puis, soudainement, dans un de leurs spectres, eh bien, ils voient apparaître une raie, donc la signature du potassium. Une raie très forte, jamais vue auparavant. Et ils se disent que c'est probablement une éruption. Une éruption stellaire, un peu particulière. Pourquoi une éruption dans le potassium et pas dans autre chose ? Je ne sais pas, mais bon, une éruption bizarre. Alors ils continuent leurs observations, et puis voilà, pouf, une deuxième étoile qui nous fait la même chose, éruption de potassium. Puis une troisième. Alors bon, ils rapportent ça hein, dans un article scientifique, mais ils ne savent pas très bien pourquoi, parce qu'en fait les trois étoiles en question sont complètement différentes. Il n'y a vraiment aucun point commun entre ces fameuses trois étoiles. Donc pourquoi ? Je ne sais pas, mais bon, ils ont ça. Alors évidemment, il y a d'autres astronomes qui essaient de confirmer, de trouver ces éruptions au potassium, et puis personne ne trouve rien. Et il y a des Américains qui se disent, oui, mais bon, imaginons que ça soit très rare. Bon, ce qu'il faut faire, c'est observer énormément d'étoiles, et puis forcément, si vous en observez beaucoup, il y en aura bien une. Imaginez, par exemple, c'est un truc qui arrive une fois sur 100, vous en observez 100, vous avez quand même une chance d'en observer au moins une qui fait ça. Donc ils se mettent à observer des centaines d'étoiles, et rien. Et c'est là qu'ils vont faire des expériences avec des allumettes. Vous allez me dire, pourquoi des allumettes ? Mais parce qu'en fait, ils ont commencé à réfléchir à pourquoi le potassium. Et il se fait qu'un des observateurs français en Haute-Provence fumait la pipe. Et cet observateur ne se trouvait pas dans la coupole du télescope, mais en fait la lumière du télescope arrivait en dessous de la coupole, à un endroit où il y a un renvoi, et l'analyseur de lumière était juste après. Et il fallait pendant toute la nuit que le gars soit là pour vérifier que le renvoi vers l'analyseur se faisait parfaitement bien. Et donc pendant toute la nuit, il était là en train de vérifier, de tourner un petit peu quand il fallait, etc. Et bon, comme il fumait la pipe, de temps en temps, la pipe s'éteignait, et qu'est-ce qu'il faisait ? Il la rallumait. Et il se fait que les allumettes qu'il utilisait, il y avait du potassium dedans. Et quand il craquait son allumette, eh bien un peu de lumière venait se mélanger à la lumière de l'étoile,
Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des étoiles éruptives au potassium. C'est bizarre, mais voilà, ça arrive. Alors, on a aussi eu, alors là, c'est plus ancien, hein, il faut remonter au 17e, des annonces qui disaient qu'on avait trouvé une lune pour Vénus. Alors, vous savez peut-être, hein, Vénus n'a pas de lune. Donc, pourquoi diable est-ce qu'ils trouvaient une lune de Vénus ? En plus, c'était quand même comique, parce que bon, Vénus a des faces, et la lune présentait les mêmes faces. C'était quand même assez particulier, et vous n'avez pas n'importe qui vous dit qu'il y a une lune à Vénus. Vous avez des gens comme Jean-Dominique Cassini, James Short, Fontana, moins connu, mais enfin quand même, c'est pas le petit astronome dans son coin, quoi. C'est quand même des grands noms. Alors, sont arrivés un certain nombre d'idées. Par exemple, Vénus est extrêmement brillante, et donc quand on l'observe à la lunette ou au télescope, ce qui se passe, c'est que évidemment, lorsque vous êtes l'œil à l'oculaire, eh bien la lumière va se réfléchir sur votre cornée. Ça va revenir vers la lunette, se réfléchir sur l'oculaire et revenir. Sauf que, évidemment, comme ça fait un petit trajet un peu différent, ça n'a pas la même taille. Donc, vous voyez Vénus et puis vous voyez un petit machin à côté. Alors, pour voir si c'est ça, il y a un truc très simple. Tournez la tête. Ben oui, parce que si vous tournez la tête, ben, ça va tourner avec. Et donc, si ça vient de votre tête et pas de Vénus, vous le saurez tout de suite. Sauf qu'évidemment, les premiers n'ont pas pensé à faire ça, puisqu'ils n'avaient pas du tout cette idée-là. Et c'est seulement après qu'on a commencé à vérifier. Donc, dans beaucoup de cas, il s'agissait tout simplement d'un reflet sur la cornée de l'observateur. Alors, certains, dans d'autres cas, avaient fait l'essai. Ils avaient quand même toujours quelque chose. Et là, on s'est dit, en fait, c'est plutôt un astéroïde qui, par hasard, justement, se trouvait dans cette direction-là. Ah ben pas de bol, hein. On a cru qu'il était lié à Vénus parce qu'il était juste à côté, mais en fait, il n'avait strictement rien à voir. Et c'est pour ça qu'on ne le retrouvait pas quand on réobservait plus tard. Voir une étoile, hein, même chose, dans la même direction, hein, on peut aussi se tromper parfois. Alors, précisons quand même qu'il existe un objet qui tourne avec Vénus autour du Soleil. On appelle ça des presque-lunes, des quasi-satellites. Pourquoi ? Parce qu'ils ne tournent pas autour de la planète, mais ils tournent avec la planète. Donc ils sont quand même contrôlés par la planète, mais ils tournent autour du Soleil et pas autour de la planète. Donc il y a des objets un petit peu particuliers, mais celui-là, évidemment, on l'a trouvé beaucoup plus récemment. Et puis vous connaissez peut-être ce fameux Percival Lowell. Percival Lowell, qui était un milliardaire, qui adorait cette idée des canaux martiens et qui a fondé un observatoire en Arizona pour pouvoir observer les canaux martiens. Sauf qu'il n'y a pas que sur Mars qu'il a vu des canaux. Et il en a vu aussi sur Vénus. Alors c'est beaucoup moins connu, et c'est un des rares cas où, à un moment, il a dit qu'il s'était peut-être trompé. Oui, c'est la seule fois. Hein. Et je vous rassure, il s'est dit « oui, je me suis peut-être trompé », puis juste après « oui, mais non ». Et il était certain qu'il y avait des canaux sur Vénus. Le seul problème, c'est que ces canaux avaient toujours la même apparence. Quel que soit le moment où il observait, c'était toujours pareil. Ce qui posait quelque part problème, parce que ça voudrait dire que, ben, quelque part, Vénus vous présente toujours la même face à la Terre. Bon, au Soleil, c'est encore imaginable, mais la Terre, c'est pas logique. Et donc, pour essayer de comprendre, ses assistants ont commencé à faire des expériences avec des boules de frigolite ou des petites boules en plâtre qu'ils avaient faites, le plus lisse possible, et ils les éclairaient de manière différente pour faire des faces, tout ça, et ils les observaient à travers des lunettes qui avaient été, comme Lowell le faisait, hein, réduites un petit peu au niveau de l'ouverture. Et c'est seulement il y a quelques années, à la fin du XXe siècle, qu'on a pu trouver ce que c'était. Les assistants ont montré que certaines personnes les voyaient, pas d'autres, mais on n'arrivait pas à trouver d'où ça venait. Et c'est seulement il y a quelques années où on s'est rendu compte que les fameux canaux vénusiens, voilà un des exemples de ce que Lowell avait dessiné, hein, donc ces canaux vénusiens montraient un rayonnement à partir d'un point, mais en fait c'était son œil. Il avait transformé son télescope en ophtalmoscope, et ce qu'il avait vu, c'était son œil. Et il avait en fait de l'hypertension, et donc ses vaisseaux sanguins dans son œil étaient assez gros, et ce qui permettait de les voir particulièrement bien. Et c'est quand, ça explique évidemment le fait qu'il y en ait certains qui le voient et d'autres qui ne le voient pas. Ben voilà, par exemple, ici. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, je vous propose alors de revenir. Ok, on a fait le petit coyote. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ?
Pop musique ? Ouais ? Allez, on va faire pop musique. Ce qui est bien, c'est que c'est une conférence qu'on peut arrêter quand on veut, parce que bon, on choisit. Alors évidemment, pop musique, pas de bol, vous allez vous faire un deuxième choix. Alors j'espère que vous connaissez tout le monde ici derrière. Ça va, oui ? Ouais ? Ok. Bon bah alors, choisissez, hein, les gars. Les Doors ? C'est un très bon choix. Je reconnais, hein, c'est mon thème préféré dans la bande aussi. Vous connaissez peut-être cette fameuse chanson des Doors, hein, This is the End, qui est très connue, qui a servi au cinéma, enfin voilà. Ça marche aussi avec l'astronomie, évidemment, parce que de temps en temps, c'est la fin, effectivement, ça peut être la fin des observatoires. Les astronomes font des observatoires, mais de temps en temps, ils les abandonnent, comme ça, malheureusement, sans rien faire. Alors, vous en avez comme ça un certain nombre qui finissent par rouiller. Ici, c'est un radio-observatoire en fait en Russie qui rouille bien gentiment. Alors, vous avez celui-ci qui est aux États-Unis. Là, c'est une malheureuse histoire de pollution lumineuse, hein, c'est-à-dire qu'on avait installé l'observatoire. Finalement, on était à la fin du 19e, donc ils auraient dû savoir quand même que c'était pas une bonne idée de le mettre aussi près de la ville, mais bon. Et puis, il a fonctionné très peu de temps parce que très vite, avec la lumière, on ne voyait plus rien, quoi. Donc, il est très romantique, il est très visité, hein, mais pas pour faire de l'astronomie. Celui-ci aussi, là, il est en Espagne. Il a été aussi abandonné très vite, et certains disent qu'il existe plus de photos de l'observatoire, parce qu'il est mignon comme ça, rouge, tout ça, que de photos prises par l'observatoire. Que voulez-vous ? Mais le pire, c'est peut-être celui qui est au-dessus, le Bialystok, l'éléphant blanc. C'est en fait un observatoire qui a été installé dans les Carpates. Il a été installé par les Polonais. Alors je sais, c'est loin. Mais bon, voilà, ils s'étaient arrangés. Hein, bon, et ils avaient voulu absolument s'installer là. Et ils avaient été extrêmement, mais vraiment extrêmement ambitieux. Un grand observatoire, gigantesque, plusieurs étages, machin, plusieurs instruments, enfin, la totale. Sauf que, disons qu'ils avaient négligé un peu un aspect extrêmement pratique. Et par exemple, si vous vous installez dans cet observatoire, rien que pour aller chercher de l'eau potable, la première source se trouve à 4-5 km à pied, parce que vous êtes en pleine montagne et il n'y a pas de route. Alors si, pas de bol, vous avez besoin de quelque chose de plus consistant, un médecin, je sais pas, du matériel ou quoi, bon là vous devez aller à la prochaine ville, qui se trouve encore beaucoup plus loin. Et pour acheminer, évidemment, c'est la cata. Donc c'est un observatoire qui n'était absolument pas pratique. Mais le pire, ça a été sa date de construction. Le projet s'est fait dans les années 30. Alors évidemment, quand on arrive à commencer à l'inaugurer genre 38, très vite, vous avez des petits Allemands qui viennent dire « coucou ». Et qui s'installent évidemment dans l'observatoire. Donc les Polonais n'ont que le temps de ramasser leurs appareils et foutre le camp. Et puis après, il y a l'armée rouge, évidemment, qui débarque, qui fait coucou, et qui s'installe. Et donc finalement, l'observatoire n'a jamais été utilisé. Tout simplement parce qu'au moment où on s'est installé, la guerre a commencé. Et puis, non seulement vous avez évidemment les astronomes qui abandonnent leur observatoire, mais parfois c'est l'observatoire qui vous lâche. Alors on a quelques exemples. Le premier, c'est celui de Green Bank. Alors Green Bank, c'est un radiotélescope qui était assez impressionnant. Hein, et c'est ce radiotélescope extrêmement grand. Alors il a une particularité, c'est qu'il peut tourner comme ceci. Et puis vous voyez ici cette roue qui lui permet de s'orienter de l'autre côté. Et puis, un soir, vous avez le technicien qui s'installe avec sa petite voiture. Là, il rentre, il commence à faire ses réglages. Et puis, il entend un petit bruit. Genre un bruit de métal qui se tord. Et là, il voit passer à travers le plafond une barre de métal. Bon, là, il a quand même paniqué, le gars. Hein. Il est sorti. Il a eu le temps de prendre sa voiture et de foutre le camp. C'était en début de soirée, il faisait noir. Et le lendemain matin, voilà ce qu'ils ont pu voir. La masse de métal, en fait, ça a pris plusieurs mois pour qu'elle s'arrête de bouger. Rien que la masse, quoi.
C'était absolument abominable. Vous voyez ici l'état du métal. En fait, c'est tout simplement, on avait un petit peu trop forcé. Il datait de 1962. Il était prévu pour durer maximum 10 ans. Bon, les astronomes ayant rarement beaucoup de sous. Disons qu'on avait tiré un petit peu sur la corde, quoi. Et après coup, on s'est rendu compte que dans la semaine qui a précédé, la surface était en train de s'ouvrir. On le voyait dans les données, en fait. Mais comme on observe, enfin quand on observe, quoi. On n'a pas le temps vraiment d'analyser les données, de commencer à chercher. Et puis personne n'avait pensé à se dire que le télescope allait s'ouvrir, quoi, et se casser. Surtout qu'en plus, on était en plein dans un programme qui faisait du scan et donc qui bougeait énormément le télescope. Et donc le télescope était déjà en bout de vie, on n'arrêtait pas de le solliciter. Donc voilà, il a lâché, quoi. Il y a une seule, parce qu'on a réussi à l'identifier après coup, il y a un seul truc qui a lâché dans la structure et puis il a entraîné tout le reste. C'est triste, mais voilà, ça arrive. Et puis le dernier, évidemment, le plus connu, c'est bien sûr Arecibo. Magnifique Arecibo, qu'on peut voir dans GoldenEye, qu'on peut voir dans plein de trucs, dans Contact. Enfin voilà, c'est trop joli avec ces trois grandes tours qui soutiennent cette gigantesque plateforme. Et puis, ça c'est après. Vous remarquerez ici les tours qui n'ont plus leur tête. Et puis la plateforme scrooge par terre. Malheureusement, alors on a des petits films. Attendez, je vais vous les lancer dans une seconde. Voilà. Alors là, il est tombé le matin, très tôt le matin. Il y avait des ouvriers qui étaient là parce qu'il y avait déjà un câble qui avait lâché. Et heureusement, ils ont eu le truc qui leur est passé très près, mais qui ne leur est pas tombé dessus. Donc voilà, une des caméras de surveillance qui vous montre sa vitesse réelle, donc ça vous donne une idée. Et en plus, il y avait un drone qui était en train de surveiller les câbles. Donc là, vous allez voir les câbles qui lâchent petit à petit, brin par brin. Si vous regardez bien, on voit vraiment un brin qui part, et puis le truc qui lâche. Et puis forcément, s'il y en a un qui lâche, les autres vont lâcher. Il en reste un. Le truc commence à ne pas tenir, parce que s'il y a prévu quatre câbles avec un seul, ça ne tient pas, et puis ça entraîne évidemment la chute des deux autres, et vous voyez en fait ils sont vraiment pas passés loin, quoi. Il y a vraiment des câbles et tout où ils sont passés à quelques mètres de là où étaient les gens. Mais là aussi vous remarquerez qu'on avait un petit peu poussé, quoi, parce que là, 63, c'était prévu pour tenir 10-15 ans. Ok, on avait fait 2-3 petites rénovations, mais pas trop. Et puis la plateforme, en plus, il y a quelques décennies, on avait encore rajouté quelques tonnes en plus, parce que, ah oui, mais on va faire des trucs super. Ça faisait déjà un petit temps que marcher sur la plateforme, c'est peut-être pas une bonne idée. Et donc, on y allait le moins souvent possible. Contrairement à James Bond, qui fait tout un tour dessus, il valait mieux pas trop faire ce genre de choses. Et il a fini par casser. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'au moment où le télescope de Green Bank est tombé, on était en train de dire, on va l'arrêter, quoi. Ça fait trop longtemps et tout. Donc, OK. Et grâce au fait qu'il soit tombé, ils ont réussi à avoir les sous pour le remplacer. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer avec Arecibo, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'on parle de fermer Arecibo et qu'on se rejette. Alors la patate chaude, la responsabilité de l'observatoire passe de la NSF à l'université de Floride, etc., etc. Il y a personne qui veut prendre la patate chaude parce que ça coûte trop cher et personne ne veut le rénover. Et puis là, il est tombé. Et là, soudainement, tout le monde se dit, ouais, mais enfin quand même, on va Arecibo, quoi. Donc peut-être que d'ici 10 ans, on aura de nouveau un Arecibo parce que ils se seront finalement dit que ça valait le coup quand même, ce fameux radiotélescope. OK. On a le temps, dites. Allez. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez essayer? Vous avez le choix, L'oreille? Allez. On va essayer l'oreille. Allons-y. Bon, alors l'oreille, il y a de nouveau un choix à faire. Est-ce que vous préférez boum, crac, wow, pan, bip bip ou ding? Wow, bing. Bon alors, criez un peu, quoi, dites-moi. Wow. Alors, wow, c'est l'histoire d'un petit bruit.
En astronomie radio, on a souvent des petits bruits comme ça, des petits signaux, un petit peu, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et il se fait qu'en août 77, un gars qui observait avec une antenne, alors c'est une antenne très particulière parce que c'est une antenne qui tournait. Et à un moment, l'antenne a capté quelque chose. Et normalement, comme elle tournait et qu'il y avait un capteur de chaque côté, après un demi-tour, elle aurait dû de nouveau enregistrer le même signal. Sauf que pas de bol, on ne l'a eu qu'une fois. Mais le signal, alors, oui, je suis désolée, ce n'est pas une magnifique image astro. Voilà à quoi ressemblent des données, en vrai. Des données de cette époque-là, donc les années 70. Donc 0 ou 1, ça veut dire que le signal est très faible. Et plus vous montez dans les chiffres et puis dans les lettres, plus le signal est fort. Donc vous avez ici 6, Q, J, J. Waouh, signal super fort. Donc le gars qui était en train d'observer, il a entouré le machin et il a écrit wow à côté. D'où le nom du signal, hein, le signal. Wow. Ok, alors. Vous voulez. Quoi, vous? La quoi? La lune? Ah, le drapeau! C'est le drapeau qui est important, c'est pas tellement la lune. Je vais vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire de l'espace où tout le monde est gentil, tout le monde travaille ensemble. Et d'ailleurs, on a un traité de l'espace qui commence par tous les États partis au traité de l'espace, et il y a quasiment tout le monde, utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. C'est beau quand même, hein ? C'est mignon. Si vous y croyez, j'ai encore des collègues qui y croient, hein, mais bon, c'est pas vraiment la réalité, quoi. La réalité, elle est plutôt comme ça. Et depuis le départ, soyons clairs. Alors, la guerre dans l'espace, c'est pas juste Star Wars et ce genre de truc. La guerre dans l'espace, c'est tout le temps, en fait. Et la guerre dans l'espace va se faire de différentes façons. Donc les militaires vont avoir des satellites avec lesquels ils vont faire pas mal de choses, et puis ils vont avoir des installations sur Terre qui font des trucs sur les satellites. Alors, par exemple, vous avez un certain nombre de satellites qui vont évidemment observer ce qui se passe sur Terre. Oui, ce qui se passe de l'autre côté, les étoiles, tout ça, machin, on s'en fout, quoi. Hein, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe sur Terre. Et on peut le faire avec une très très bonne résolution. On parle du JWST, hein, donc le fameux James Webb. 6 mètres et demi, tout ça, ça vous a l'air formidable, extraordinaire, on n'a jamais fait ça. Ben si, en fait, si. Si. Depuis les années, fin des années 90, on sait bien, très bien que ça fonctionne. Sauf que le télescope de 6 mètres et demi, il ne regarde pas sur le dessus, il regarde en bas. Il fonctionne très bien, hein, mais on en entend moins parler que le James Webb, voyez, ou même que Hubble. Enfin, bon, voilà. Donc, observer la Terre, tout le monde le fait. Alors, c'est très pratique, parce qu'évidemment, avec un satellite, vous pouvez observer tout le monde. Okay. Et donc, si jamais vous avez des alliances qui changent, tout ça, pas de problème, vous avez des photos de tout le monde. Avec une résolution, alors bon, c'est pas la résolution des séries télé, hein. Le truc où vous avez le gars qui commence à zoomer et qu'on voit la plaque minéralogique, non, ok. Mais des détails de l'ordre du mètre ou un petit peu inférieur au mètre, c'est faisable, ok. Donc il y a quand même moyen de voir pas mal de choses intéressantes. Le problème, c'est qu'évidemment, vous avez peut-être une nouvelle base secrète que vous êtes en train de construire et que vous n'avez pas envie qu'on le voit. Alors dans ce cas-là, vous allez évidemment essayer de faire quelque chose contre ces fameux satellites. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est simple. Vous avez un machin qui vous regarde, vous l'aveuglez. Un petit laser dans la caméra, ça se passe toujours très bien. La caméra crame ou est aveuglée pendant suffisamment longtemps pour ne plus rien voir. Et je peux vous rassurer, il y a un certain nombre de gens qui ont déjà montré qu'ils savaient très bien le faire et que ça ne posait aucun problème. Ce n'est pas une technique simple. Hein, ça, j'ai pas dit, mais on sait l'appliquer et on la maîtrise totalement. Alors, autre chose qu'on fait dans l'espace, eh bien, c'est avec ces satellites qui sont en l'air, vous pouvez, évidemment, ça peut servir de relais pour la communication n'importe où sur Terre. Donc, par exemple, si vous êtes aux États-Unis, vous avez des militaires en Afghanistan, ah non, vous n'en avez plus, enfin, quand vous en aviez, vous vouliez discuter avec eux, bah, vous prenez un relais satellite, ça marche très bien, vous ne dépendez pas, je vais dire, d'installation au sol, quoi. Vous passez par le satellite, ça ne pose pas de problème. Et puis, vous avez évidemment les réseaux de navigation, hein.
Vous connaissez le GPS. Le GPS, c'est un satellite militaire au départ, hein, depuis les années 60. Ce programme-là est devenu, je veux dire, a été ouvert aux civils, mais au départ, c'est militaire. Ce qui vous permet, évidemment, par exemple, d'envoyer un drone bombarder un peu où vous voulez, hein. Vous avez le GPS, hein, vous faites, c'est un peu comme vous, vous programmez votre truc pour retourner à la maison, ben là, c'est, tu vas bombarder à tel endroit. C'est la même idée, ça marche très bien. Bon, du coup, évidemment, si vous êtes le pays où on va bombarder, vous n'êtes pas super content non plus. Hein. Donc vous voulez essayer de faire quelque chose contre ces signaux GPS et ces signaux de communication. Alors vous avez plusieurs façons de fonctionner. Vous pouvez tout simplement brouiller le signal. Brouiller, évidemment, au niveau de l'émetteur ou du récepteur, donc ça dépend un peu où vous êtes. Brouiller, c'est très facile, hein, vous mettez un signal super fort à côté, et voilà, s'il y avait quelqu'un à côté, ici, on me coupe le micro, et puis à côté, on met un gars avec un micro beaucoup plus fort et des haut-parleurs super forts, vous ne m'entendrez plus, et puis voilà. Donc ça marche, c'est très facile à faire. Je veux dire, on ne le fait d'ailleurs pas que... au niveau militaire. Vous avez des gangs mexicains qui, quand ils veulent piquer des camions, enfin, piquer la marchandise qui se trouve dans les camions, ils sont contrôlés par GPS, et en permanence, et s'ils s'arrêtent, il y a une alarme qui se fait automatiquement à la centrale. Et donc, ça envoie les flics, l'armée, enfin, tout bazar. Donc, ils brouillent le signal GPS, comme ça, le camion ne sait plus où il est, et donc, on peut l'arrêter, on peut faire tout ce qu'on veut avec. Donc, ça marche aussi au niveau des gangs. C'est une technique extrêmement simple. Maintenant, vous pouvez faire des trucs un petit peu plus sophistiqués. Ça, c'est beaucoup plus mignon et beaucoup plus pervers. C'est que vous envoyez un signal, donc vous enregistrez le signal GPS et puis vous le réémettez, mais avec un tout petit délai. Pas très grand. Mais bon, souvenez-vous, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc il ne faut pas grand-chose pour faire une erreur de quelques kilomètres, quoi. Donc vous le réémettez juste après, mais fort, hein, comme ça. Évidemment, le machin qui veut, par exemple, le drone qui veut savoir où il est, il croit que le signal le plus fort, c'est le bon, et puis il se dit « Ah ben, je ne suis pas au bon endroit. » Et hop, il va un petit peu bombarder à côté. « Ah ben, pas de bol, c'était justement là que se trouvaient les gentils. » Eh ben, les gentils se font bombarder. Donc voilà. Donc il y a moyen comme ça de faire un certain nombre de choses assez amusantes. Mais évidemment, c'est encore mieux si vous pouvez prendre le contrôle d'un satellite. Oh, vous allez me dire, prendre le contrôle d'un satellite, c'est de la science-fiction. Ben non. Prendre le contrôle d'un satellite, ça a déjà été fait. Un certain nombre de fois, en tout cas, ça, c'est les fois où, enfin, dont on est au courant. Hein. Donc, dans ces possibilités-là, ben, c'est juste du hacking. Hein, donc, vous envoyez des informaticiens qui vont soit contrôler la station au sol, soit carrément contrôler le satellite. Alors, jusqu'ici, donc, si vous prenez, par exemple, le satellite Terra, il était complètement impossible à contrôler par les Américains. Il était totalement... pris par les inconnus qui ont craqué le système, qui normalement viennent d'un pays, disons, un peu à l'est, par rapport à nous, hein. Extrême-Orient, par exemple. Hein. Ce satellite, ils ne lui ont rien fait faire. Un petit peu après, ils ont juste lâché, et pouf, ça y est, on a repris le contrôle. Mais s'ils avaient voulu, ils auraient pu... le tourner. Par exemple, si vous avez un satellite militaire qui a des caméras, ben vous tournez les caméras vers le soleil. En général, ce n'est pas bon. Hein, vous cramez bien la caméra. Ou vous pouvez, faire plein de trucs amusants, genre lui donner une petite, allumer les moteurs, lui donner une petite impulsion et qu'il aille se percuter contre une petite station spatiale, un autre satellite. Enfin, bon, voilà, quoi. Vous avez la possibilité. Une fois que vous avez le contrôle, vous faites ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi aller voir sur place. C'est pas mal, ça, non plus. Vous envoyez un satellite qui va vérifier d'autres satellites. Alors, il peut juste inspecter pour voir ce que fait le satellite, parce que, vous savez, il y a un grand catalogue. À chaque fois que vous envoyez un truc dans l'espace, vous êtes obligé de rajouter une ligne au catalogue en disant, voilà, j'envoie tel jour, à telle heure, tel satellite, et vous donnez la fonction. Bon, alors, pour les satellites militaires, disons que la fonction, en général, se limite à quelque chose de très vague, hein, pour qu'on ne sache pas trop ce qu'il fait. Vous vous rendez bien compte. Donc, évidemment, si vous ne voulez savoir absolument ce que fait tel satellite, ben, vous allez envoyer un truc et puis vous regardez s'il a des caméras, enfin, quel type de matériel il y a sur place. Mais vous pouvez faire encore beaucoup plus de choses. Vous pouvez, alors, vu que vous êtes à côté, envoyer des signaux en se faisant passer pour lui. Ou capter des signaux pour savoir ce qu'il raconte. Ou vous pouvez, là, vous l'envoyez vers un satellite à vous, refaire le plein.
Vous savez, Hubble, on a dû envoyer les astronautes là, pour changer les affaires et tout ça. Maintenant, on peut le faire carrément de manière robotisée. Et puis, évidemment, vous pouvez faire énormément de choses amusantes, lui tirer dessus. Enfin, bon, voilà, vous avez un peu le choix des activités que vous voulez faire. Et de nouveau, ce n'est pas de la science-fiction, on est dans le réel. Par exemple, il y a. C'était juste avant le Covid, l'année avant le Covid, en 2019. Vous avez un satellite russe qui s'appelle Olympka ou Louche, selon le nom. Enfin, selon l'endroit où vous êtes, il n'a pas toujours le même nom. Et il est en orbite géostationnaire. Et il a été voir, il fait le tour. Il inspecte un peu tout le monde. Bon, quand il s'est approché d'un satellite franco-italien, satellite militaire, oui, parce que vous, les Français, vous avez pas mal de militaires spatiaux, hein, vous êtes les champions en Europe, pratiquement, et bien là, justement, il y a eu des protestations officielles, la ministre Parly a commencé à râler contre les Russes, ce n'était pas normal. Et bon, voilà, donc ce genre de choses se fait. Bon, alors tout ça a l'air encore relativement gentil, finalement. Ce qui est mieux, c'est quand même péter la gueule du satellite. Non, mais là, sérieux, quoi. Enfin, là, on commence à être dans des trucs vrais. Alors, comment faire sauter un satellite? Alors, vous pouvez essayer de le toucher directement. Sauf qu'un satellite, c'est petit, donc vous avez intérêt à bien viser. Donc, vous pouvez aussi vous dire, on va faire une explosion. Bon, là, on n'a pas besoin de bien viser. On fait une explosion un petit peu à côté, puis de toute façon, le truc sera détruit à côté. Pour ça, il vous faut une belle explosion. Genre, une belle explosion nucléaire. Ah, ça, c'est bien. Ça explose bien. Eh bien, figurez-vous qu'on l'a déjà fait. Si, on a fait des tests. Les Russes ont fait des tests et les Américains. Les Américains ont fait un test qui s'appelle Starfish Prime en 62. Vous avez ici la lueur de l'explosion, hein, parce qu'on... Ben si, on l'a vu, depuis la Terre. Alors, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même un petit problème. C'est-à-dire que vous aviez donc un satellite cible, qui était un satellite américain, ils ont fait péter un des leurs, c'est juste de l'exercice, et puis vous aviez des satellites qui étaient beaucoup plus loin, qui étaient censés surveiller, évidemment, voir si ça avait marché ou pas. Donc, ils envoient la bombe, ça pète, et là, tous les satellites qui étaient censés regarder ce qui se passait, tous morts. Ah ben oui, parce que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que quand vous avez comme ça une explosion nucléaire, ça envoie une impulsion électromagnétique très forte qui fait péter tous les systèmes électroniques qui voient l'explosion. Donc tous ceux qui étaient censés surveiller, Alors pire, c'était une explosion nucléaire. Ça a créé un certain nombre de particules chargées très énergétiques, une ceinture de radiation, si vous voulez, supplémentaire. Et tous les satellites, dans les jours qui ont suivi, qui tournaient gentiment autour de la Terre, ils n'avaient pas vu l'explosion, ils étaient tout à fait ailleurs. Mais ils sont passés dans la ceinture de radiation, leur électronique a grillé, et donc grâce à cette merveilleuse explosion, on a perdu plein de satellites. Alors là, ils se sont dit, c'est quand même embêtant. On voulait juste en faire péter un, pas tous les autres. Donc, ils se sont dit, c'est peut-être pas une bonne solution. Et c'est pour ça que dans le traité de l'espace qui date de 67, les Américains comme les Russes ont tous les deux dit, non mais on va interdire les armes nucléaires dans l'espace. Non, non, c'est pas bien. En fait, c'est pas que c'était pas bien, c'était juste que ça marche pas. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont signé des deux mains pour ne pas avoir de nucléaire dans l'espace. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est de la destruction ciblée. Donc, il faut évidemment très bien viser, mais ça marche. Vous avez des missiles comme ça qui sont soit sur des avions, soit sur terre ou soit sur mer. Alors, plusieurs pays ont essayé. Donc là, c'est un des essais américains, c'est l'essai de 85. L'essai chinois et l'essai indien, ça c'est l'essai indien, ont été faits depuis le sol, et les Américains en 2008. Alors c'est pas du tout une réponse au test chinois. Non. C'était pour aider l'humanité. Si, parce qu'en fait ils venaient de lancer un magnifique satellite espion, et pas de bol, ils en ont perdu le contrôle. Et il était plein d'hydrazine, le carburant des fusées qui est vraiment pas bon pour l'environnement. Et les Américains, ils se préoccupent beaucoup de l'environnement. Et donc, on n'allait quand même pas laisser ça comme ça, vous pensez bien. Donc, bon, on a envoyé un petit satellite, comme ça, comme ça, on était sûr que le satellite n'allait pas retomber n'importe où. Parce que s'il retombait quelque part, on pouvait aussi utiliser la technologie, bien sûr. Donc, voilà, pour le bien de l'humanité, on a fait sauter ce magnifique satellite en 2008. Alors, la Russie a un programme de missiles comme ça, mais ne l'a jamais testé. Par contre, ce qu'ils ont déjà fait, alors leur programme Istrebel Sputnikov a commencé en 63. Hein, donc,
Et les plans, les premiers plans, c'est les années 50. Et je vous rassure, chez les Américains, pareil. Hein, dès la fin de la guerre, dans les années fin 40, début 50, se mettent en place les premières idées de ce genre de choses, les armes ASAT, comme on dit. Mais ça a commencé à être réalisé petit à petit à partir des années 60 au niveau des essais. Et donc les Russes, eux, se sont surtout focalisés sur l'idée de rendez-vous, comme vous avez vu avant. Donc essayer d'approcher, ils ont lancé deux trois petits cailloux comme ça pour montrer que ça marchait quoi, mais ils n'ont jamais véritablement complètement détruit le satellite. Donc là, on met la Russie en général avec une petite parenthèse parce que eux n'ont pas détruit complètement le satellite. Alors tout ça c'est très bien, mais il y a juste un problème, et ça les Chinois ont été ceux qui ont montré le gros problème, c'est que quand vous faites péter un truc, ça fout des saloperies partout. Sauf que sur Terre, évidemment, une explosion, pouf, ça retombe. Fini. Mais dans l'espace, si ça tourne autour de la Terre, ça va continuer à tourner autour de la Terre. Donc vous avez un nuage de débris qui tourne autour de la Terre. Donc grâce à l'essai chinois, on a eu une augmentation du nombre de débris. Je ne sais plus exactement de combien de pourcents, mais enfin, c'était assez énorme. D'ailleurs, quand vous voyez l'augmentation des débris, ça augmente petit à petit, et puis ça, c'est l'essai chinois. Tout d'un coup, 10-20% en plus, simplement à cause de cet énorme, gigantesque nuage de débris qui tourne encore et qui sera là pour au moins encore un millénaire. C'est embêtant. Alors, l'essai indien et les deux essais américains se sont faits à plus basse altitude, ce qui fait qu'en quelques mois, tous les débris étaient retombés sur Terre. Mais les Chinois l'ont fait à 800 km, et à 800 km, Ça reste plusieurs siècles, voire ici, pour le moment, ils sont en train de se dire au moins 1000 ans. Et puis, évidemment, vous pourriez poser la question, vu qu'on envoie des hommes dans l'espace, est-ce qu'ils sont armés ? Eh bien, oui, ils sont armés. Alors, on dit que, parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais qu'aujourd'hui, les équipages d'astronautes peuvent choisir s'ils emportent ou pas cette arme-ci. S'ils passent par les Russes, pour les Américains, il n'y a rien d'officiel, mais pour le côté russe, ils peuvent choisir ou pas de le prendre. Alors pourquoi cette arme-là ? Parce que, en fait, les Russes, si vous vous souvenez, quand ils redescendent, les trucs tombent en plein de taïga, en plein de Sibérie, enfin bon, bref, des endroits super sympas où il n'y a personne à la ronde. Et Alexis Léonov, quand il est parti, quand il est rentré, ils se sont retrouvés à devoir attendre pendant plus d'une journée les gars, parce qu'ils ne sont pas atterris exactement là où il fallait, donc ils ont attendu, le gars est revenu pour venir les chercher, mais seulement, ça a pris plus d'une journée. Alors vous imaginez, vous êtes joyeusement en plein milieu, il fait nuit, il ne fait pas très chaud, et vous entendez soudainement des trucs du style « Ouh !» Enfin bon, je fais très mal le loup, mais le loup, c'est pas super sympa non plus. Et donc, Alexis Léonov a eu la pétoche de sa vie parce qu'il ne savait pas très bien comment se défendre, quoi, si les loups avaient attaqué. Et donc, ce qu'il a exigé, c'est que dans les prochains modules, on ait une arme pour se défendre, en fait, contre les ours, les loups, enfin bon, tout ce qui pouvait se balader dans le coin. Et donc, il y avait une arme qui était embarquée, en tout cas sur les modules russes. Mais les Russes ont également envoyé une station spatiale équipée d'un canon. Alors, c'était une toute petite station spatiale, c'est pas Mir, quoi. Et ils ont attendu que les astronautes descendent avant de tester le canon, parce qu'ils avaient un peu peur des vibrations. Et je veux vous rassurer, l'essai a été entièrement concluant, donc ça marche très bien, on peut mettre des canons dans l'espace. Voilà. Désolée d'avoir plombé l'ambiance, mais... Alors, on veut quelqu'un qui joue. Vous voulez jouer ? Allez, on va jouer alors. Quel est le point commun entre tout ça ? Alors, je vois qu'il y en a qui ont mon bouquin, donc normalement, ils doivent savoir répondre. Ah ah ! Alors, petite idée ? Petite proposition ? Non ? C'est petit, c'est noir, et ça a six pattes. Le bousier. Le bousier, ce merveilleux animal, le champion de l'orientation céleste. Alors pourquoi je vous parle d'orientation céleste ? C'est parce que, la boussole, c'est bien, mais en fait, vous pouvez utiliser les astres pour vous diriger.
les étoiles se lèvent systématiquement au même endroit de l'horizon, et donc pour vous repérer, les étoiles, ça marche très bien. Alors le soleil, évidemment, il bouge un peu plus, hein, vous savez qu'en été, en hiver, il ne se lève pas exactement au même endroit, mais au cours de la journée, il va se déplacer, il va se lever côté est, il va être au sud à midi, il va être côté ouest en fin de journée, donc c'est une boussole aussi. Hein, donc vous pouvez utiliser les astres comme, pour vous orienter. Alors, bon, les hommes l'ont fait depuis un certain temps, mais les autres animaux, en fait, l'ont fait depuis très longtemps. Ils n'utilisent pas que ça, hein, on sait aussi qu'ils utilisent le champ magnétique, aussi la boussole classique, quoi, mais aussi les odeurs, les goûts, les repères du paysage. Enfin, il y a énormément de choses, mais le ciel en fait partie. Et donc la première boussole est évidemment la boussole du soleil. Boussole du soleil qui est utilisée par énormément d'animaux différents. Donc je vous en ai mis quelques-uns où ça a été prouvé. Hein. Vous voyez que la liste est longue. Alors là où ça devient intéressant, c'est de savoir comment. Comment est-ce qu'on peut prouver qu'un animal utilise le soleil comme boussole ? Eh bien, un des trucs qu'on peut faire, c'est qu'on va s'arranger pour prendre son animal préféré. On va le mettre dans un circuit un peu particulier où on cache le soleil réel, et puis de l'autre côté, on met un miroir qui réfléchit le soleil pour donner l'impression que le soleil vient d'une autre direction. Et puis on regarde comment il se dirige. S'il se dirige avec le champ magnétique, le soleil s'en fout, et voilà quoi. Donc on fait un certain nombre de choses comme ça avec des miroirs. Mais on peut également s'amuser. Parce que, je vous ai dit, le soleil, il n'est pas fixe. Le soleil, il se lève au matin, puis le sud, puis l'ouest. Ce qui veut dire que, imaginons que vous ayez cet oiseau-là qui veut absolument aller au sud. Bon, alors, s'il est 9h du matin, le gars, là, il doit évidemment avoir le soleil, on va se mettre comme lui, le soleil sur sa gauche, et garder sur sa gauche pour être au sud. Par contre, il doit savoir que s'il fait le même trajet l'après-midi, le soleil doit être à sa droite. Il doit se souvenir de ça, avoir en lui une horloge qui lui permet de compenser ce mouvement du soleil. Vous allez me dire, oula, c'est compliqué. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut le tester. Parce que vous capturez l'animal, et qu'est-ce que vous faites ? Vous le soumettez à un cycle jour-nuit que vous décalez progressivement de jour en jour. Et vous lui faites croire, quand c'est l'après-midi, que c'est le matin. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Vous le relâchez joyeusement, et il va partir. S'il se croit vraiment le matin, il va partir en ayant le soleil à gauche. Et là, vous voyez, on le relâche l'après-midi, il part avec le soleil à gauche, alors qu'on est l'après-midi et que donc il devrait partir dans l'autre sens. Donc on peut comme ça jouer sur l'heure, on fait croire à l'animal qu'il est à une autre heure de la journée, et puis on regarde le décalage qu'il fait par rapport à la vraie direction. Ça, on peut le faire avec un certain nombre d'animaux. On a pu montrer comme ça qu'ils utilisaient une boussole solaire. Alors on pourrait se demander, mais où est cette boussole solaire ? Ça, c'est assez compliqué à repérer. Eh bien, figurez-vous que les papillons monarques, eh bien, leur boussole solaire est dans leur antenne. Donc si vous coupez les antennes, et je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça qu'on le sait, on leur a coupé les antennes, ils sont incapables de se diriger. Parce qu'ils perdent complètement leur boussole solaire. Mais les monarques font des milliers de kilomètres hein, avec le soleil. Les abeilles, c'est plus court. Mais bon, vous avez comme ça des animaux qui sont très petits, mais qui font des trucs absolument extraordinaires. Alors, évidemment, le soleil, ce n'est pas seulement qu'un gros machin lumineux. Le soleil, avec l'interaction qu'il fait avec l'atmosphère, il polarise le ciel. La lumière bleue du ciel bleu, elle n'est pas n'importe comment, elle est polarisée. Alors, vous pouvez vous amuser si vous avez des lunettes solaires, Polaroid, prenez vos lunettes, et alors, bon, je suis désolée, c'est une expérience un petit peu tordue, mais vous prenez vos lunettes et puis vous faites tourner le verre. Et vous allez voir que selon l'orientation, votre ciel est plus ou moins brillant. C'est assez rigolo à faire, je vous assure, amusez-vous bien. Et encore plus rigolo, après, si vous avez un truc qui se réfléchit dans l'eau, par exemple, reprenez vos lunettes et commencez à les faire tourner, et vous allez voir qu'à certains moments, le reflet disparaît. Donc il y a moyen comme ça de s'amuser avec la lumière polarisée, mais en plus, cette lumière n'est pas polarisée n'importe comment. Dans la direction du soleil, c'est non polarisé, et plus on s'en éloigne, plus c'est polarisé. Donc là aussi, si vous connaissez la boussole solaire, vous pouvez avoir une boussole polarisée. Là, vous enregistrez le signal polarisé, et pareil, vous faites le même genre, parce que même sans voir le soleil, vous savez où il est, simplement en regardant le signal de polarisation du ciel.
Bon, il y a évidemment aussi un gradient de luminosité dans la direction opposée au soleil, c'est le moins brillant, hein, relativement simple. Et puis un gradient de couleur dans la direction opposée au soleil, c'est le plus bleu, dans la direction du soleil, c'est le moins bleu, évidemment. Donc tout ça peut être utilisé par différents animaux. Alors évidemment, il n'y a pas que le soleil dans la vie, on peut s'orienter aussi avec la Lune. Sauf que la Lune, vous avez non seulement le décalage au fil des heures, mais de jour en jour, vous avez un décalage. Donc c'est une boussole qui est sur une base différente du soleil. Alors vous allez me dire, mais qui utilise une boussole lunaire ? Eh bien, ce machin-là. Ça s'appelle la puce de mer, c'est très mignon. La puce de mer possède une boussole solaire et une boussole lunaire. Alors, ce qui est très drôle, c'est de regarder les articles de départ. Parce que figurez-vous que ça a été découvert, la boussole solaire en tout cas, a été découvert par une équipe italienne. Et puis là, il y a un auteur anglo-saxon qui était persuadé que c'était absolument n'importe quoi. Hein, parce que vous regardez le petit animal comme ça et vous n'avez plus. Non. Le mec, il a lu l'article italien, il a dit c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il a fait, du coup ? Il a été à la plage la plus proche, il a récupéré les bestioles et il a fait ses propres expériences. Et il raconte tout ça dans son article. Et puis il dit, en fait, ils avaient raison. Et il a vraiment été dans le détail et le gars a montré que non seulement ils ont une boussole solaire, mais une boussole aussi lunaire. Et alors là, c'est là que vous pouvez commencer à vous amuser. On les a mis sous des ciels artificiels. On a décalé la boussole solaire, mais pas la boussole lunaire. Ou le contraire, on a décalé la boussole lunaire, on a changé les faces petit à petit, mais on n'a pas décalé la boussole solaire. Et on peut montrer que ces animaux ont deux boussoles totalement indépendantes. Et donc ils tiennent compte de l'une ou de l'autre, selon ce qu'ils peuvent voir, parce que quelquefois vous voyez le soleil, quelquefois vous voyez la lune, Et les deux sont complètement indépendantes. Dans le cerveau, il y a vraiment deux parties complètement séparées qui font les signaux. Donc deux horloges totalement séparées chez un machin qui... C'est minuscule, quoi, ce petit truc-là, un centimètre, quoi. Et puis, il y en a quand même, il y a des étoiles dans le ciel, et il y en a quand même qui utilisent aussi les étoiles. Et vous avez notamment les oiseaux migrateurs, en fait. Les oiseaux migrateurs vont utiliser les étoiles, surtout la première fois qu'ils migrent. Après, ils vont commencer tout doucement à utiliser le champ magnétique, mais la première fois qu'ils migrent, c'est très important d'avoir les étoiles. Et là, pour vérifier, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris les bestiaux et hop, on les a, donc poussins, vous imaginez, on les met dans des planétariums. Et alors là aussi, vous pouvez vous amuser. Du genre, vous vous arrangez pour que le planétarium ait l'étoile polaire au sud. Donc évidemment, comme ça, le champ magnétique est dans la direction habituelle, mais là, vous tournez le ciel de 180 degrés, donc vous vérifiez, et vous faites tourner joyeusement le ciel comme d'habitude, sauf que la direction de la polaire est au sud. Ou vous pouvez décider de faire tourner votre ciel autour d'une autre étoile. On l'a par exemple fait tourner autour de Bethelgeuse au lieu de le faire tourner autour de la polaire. Et puis en automne, vous prenez vos bestioles et soit vous les mettez dans des cages adaptées où vous allez voir par où ils veulent sortir, ou alors simplement vous les sortez et puis vous regardez par où ils partent. Et c'est en faisant comme ça, en éliminant petit à petit certaines zones du ciel, qu'ils se sont rendus compte que ce que les animaux regardaient, ce n'était pas une étoile en particulier. Ce n'était pas une constellation, c'était vraiment toute la région autour de la polaire. À peu près 30 degrés autour de la polaire, et en fait, les oiseaux se mettent dos à cette région-là pour partir. Et donc, si évidemment, vous avez mis la polaire côté sud, dans le ciel, elle est quand même au nord, donc quand vous les relâchez après, ils repartent dans la bonne direction. Donc, ils se foutent de l'indice champ magnétique, ils regardent uniquement le ciel. Ou si vous le faites tourner par rapport à Bethelgeuse, après, vous les sortez, et puis Bethelgeuse par là, ils partent avec Bethelgeuse dans le coin. Derrière eux, et évidemment, ils partent dans la mauvaise direction. Donc, il y a moyen, comme ça, de s'amuser. Alors, vous allez me dire, je ne vous ai pas parlé du bousier. Ah oui, mais parce que lui, c'est le champion. Lui, c'est le champion. Il a une boussole solaire. Il a une boussole polarisée. Il a une boussole lunaire et il a une boussole stellaire. C'est génial, il a une toute petite bête, c'est trop mignon. Ils ont tout. Alors, évidemment, il y a différents types de bousiers. Il y a des bousiers de jour, il y a des bousiers crépusculaires, donc qui sont plutôt... matin ou le soir, et puis il y a ceux de nuit. Évidemment, celui qui utilise la boussole solaire, c'est pas celui qui ne vit que la nuit, pensez bien. Mais malgré tout, on a pu comme ça montrer que selon le cas, il a besoin de différentes boussoles, et selon le type de bousier, il a un certain nombre de boussoles à disposition. Alors, ce qui est particulier, c'est la façon dont on a fait les expériences. Parce que la particularité du bousier,
c'est qu'il fait une boule de bouse. En fait, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une boussole? Parce que quand il y a une belle bouse bien fraîche, il y a plein de bousiers qui vont y aller. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il fasse rapidement sa petite bouboule, et puis qu'il parte, pour pas qu'on lui pique. Et pour partir, le chemin le plus court, c'est quoi? La ligne droite. On est d'accord? Et donc, il faut qu'il parte le plus droit possible. Et donc, il a besoin d'une boussole pour pouvoir partir le plus droit possible. Et donc, ça, on peut le montrer, parce que, par exemple, si vous avez une boussole solaire, vous coupez le soleil, au lieu d'aller bien droit, ben, pout, il commence à partir dans n'importe quelle direction, il fait des tours n'importe comment, et du, et c'est fini, quoi. Il lui faut bien longtemps pour sortir. Alors, la boussole stellaire est chez lui très particulière, dans ce sens qu'il utilise la voie lactée. Je précise la voie lactée. Alors, comment est-ce qu'on le sait? De nouveau, on l'a pris en planétarium, on a fait des expériences, et puis on a simplement éteint, morceau par morceau, pour voir. Donc, on lui a mis d'abord que les étoiles brillantes, par exemple. Les 20 étoiles les plus brillantes, il s'en fout totalement. On lui a mis plein de... la région nord, la région sud, il s'en fout complètement. C'est vraiment la voie lactée. Il lui faut la voie lactée. Et une fois qu'il a la voie lactée, en fait, c'est les asymétries dans la voie lactée, parce qu'on n'a plus à aller plus loin, on a fait des voies lactées artificielles pour voir ce à quoi il réagissait. C'est vraiment l'asymétrie dans cette voie lactée qui permet véritablement au bousier de se repérer. Donc c'est assez amusant, les expériences sont absolument extraordinaires, mais c'est vraiment un animal qui est minuscule et qui vous fait des trucs absolument incroyables, quoi. Donc on s'oriente parfois de manière inattendue, on va dire. Oui, je précise qu'en fait, la façon dont il fonctionne, le bousier, c'est qu'une fois qu'il a fait sa petite bouboule de bouse, il monte dessus et il fait ce qu'on appelle sa danse, hein, la danse du bousier. Il fait en fait un 360 degrés au-dessus. Et en fait, quand il fait ça, il prend un cliché du ciel. Et à partir de là, c'est ça qu'il va utiliser pour s'orienter. À partir de là, il descend et chpouf, ça y est, il est parti. Oups. Ok. Bon, je crois que cette fois-ci, vous n'aurez plus le choix. Vous n'aurez plus le droit à un truc supplémentaire. Mais si vous voulez, on peut en discuter à côté. Donc oui, le temps est déjà écoulé. On n'a pas vu passer. Moi, j'ai une question quand même. Le bousier, il parcourt de quel genre de distance, en fait? Oui. Le bousier, ce qu'il parcourt, c'est quelques mètres maximum, hein. On peut aller jusqu'à une dizaine, voire une centaine de mètres, mais l'important, c'est vraiment le départ. Après, mais c'est pas des trucs, il va pas parcourir des kilomètres, donc ça va assez, relativement vite, parce que c'est une toute petite bestiole, donc déjà pour faire quelques mètres, ça lui prend quand même un petit temps. Et puis elle s'enfonce dans le sable, en fait. Une fois qu'elle est assez loin, elle s'enfonce dans le sable. Et là, les autres ne l'emmerdent plus, donc tout va bien. Donc il faut qu'il s'écarte de quelques mètres. Donc ça va de quelques mètres jusqu'à quelques dizaines de mètres, quoi, mais c'est un peu la portée. Et... Bonjour, merci pour votre intervention. Juste pour le bousier, finalement, il se repère avec la voie lactée, mais ça suppose donc qu'il peut l'avoir et qu'éventuellement nous on peut l'avoir, donc c'est peut-être des zones quand même assez particulières. Il a 6 yeux en fait. Non, le bousier a un certain nombre d'yeux, et pas seulement 2 devant qui sont assez évidents, il en a derrière. Et dans ceux-là, il y en a 2 qui sont spécialisés dans la polarisation. Et d'ailleurs, il fait la polarisation du ciel diurne, mais également du ciel nocturne. Il est capable de voir la polarisation due à la Lune. Ça, c'est un truc assez... Enfin, polarisation du ciel due à la Lune, enfin, je sais pas quoi, c'est dingue. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pouvoir voir la Voie lactée, on la voit pas bien partout. Sûr. S'il y a trop de pollution lumineuse. Alors, s'il y a trop de pollution lumineuse ou s'il y a des nuages, parce qu'évidemment, ils ont fait l'expérience dans différentes conditions, en conditions réelles, et il y a des fois. Et c'est, en fait, c'est comme ça qu'ils ont trouvé la Voie lactée, parce qu'il y a des fois où c'était la nouvelle Lune, donc on était de nuit, c'était la nouvelle Lune, et malgré tout, le bousier arrivait à sortir relativement bien, beaucoup mieux que quand il y avait complètement de nuages, où là, il commençait à tourner un peu dans n'importe quel sens. Et donc, ils se sont dit, il se repère avec quelque chose qui est là, qui est lié aux étoiles, mais quoi? Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché. Mais oui, ils ont, et bien sûr, le point zéro, c'est quand il y a des nuages et quand il n'y a rien, qu'on ne voit rien, quoi. En général, comme ils étaient en Afrique du Sud pour faire leurs expériences, ça va, au niveau pollution lumineuse, ils n'étaient pas au Cap ou à Johannesburg, quoi, donc ça va, quoi. Ils avaient un ciel qui était bon, mais simplement, ils ont pris des cas où le ciel était complètement couvert pour voir ce qui se passait. Ça reste fascinant. Merci beaucoup.
Mais du coup, tous ces animaux là qui s'orientent justement avec les astres, qu'est-ce qu'ils font quand il y a une couverture nuageuse, par exemple, quand on peut pas, quand ils... Alors, par exemple, pour certains oiseaux, ils s'arrêtent tout simplement. Ils vont s'arrêter, ils vont attendre que le ciel se dégage au moins un petit peu. Alors, de nouveau, pour les animaux, je vous ai dit, ce dont il faut tenir compte, c'est le fait que c'est à leur première migration qu'ils tiennent surtout compte du ciel. Les migrations suivantes, ils utilisent d'autres... Enfin, la boussole céleste n'est plus la principale, elle devient une des secondaires. Mais du coup, parfois, ils se trompent ou ils s'arrêtent, quoi. Donc, ça arrive que quelquefois, on ne voit pas. Ah oui, enfin, ici dans le Nord, on est habitué. Alors, je ne sais pas si on a la réponse, mais dans les animaux avec lesquels on a fait des expériences, là, si on les induit en erreur lors de la première migration, est-ce qu'ils retrouvent quand même après, plus tard, ou est-ce qu'ils sont perdus à jamais, finalement, aux confins de l'Arctique et que... Non, il y en a comme ça qu'ils ont fait exprès de perdre. Et bon, ils ont perdu, quoi. Il y a notamment une expérience avec des étourneaux qui, normalement, descendent de la Hollande vers la Bretagne. Et en fait, ils les ont capturés en Belgique, ils les ont descendus en Suisse. Et les mecs se sont retrouvés dans les Pyrénées, quoi, à la place d'être en Bretagne. Bon, ils se sont peut-être bien plu, hein, c'est pas ça, mais bon, ils n'étaient pas du tout au bon endroit. Donc, malheureusement, et c'est là aussi, ils ont montré que c'était les jeunes. Ceux qui étaient déjà partis un an avant, eux, ils réobliquaient, ils se rendaient compte qu'il y avait un problème, ils réobliquaient, ils retrouvaient les côtes de Bretagne. Mais donc voilà, c'est malheureusement, oui, on en perd. Ceux qu'on a malheureusement mal appris, ben, ceux-là, ils sont perdus et donc ils vont dans la mauvaise direction. Alors, est-ce qu'après, ils rencontrent un peu plus loin, après quelques kilomètres, une bande qui vient d'un peu ailleurs et ils s'y retrouvent ? Pas toujours, parce qu'il y a des animaux qui migrent seuls, justement. Et donc c'est pas toujours top à D'accord. ce niveau-là, mais bon, voilà. D'accord. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci vraiment beaucoup. C'était super intéressant. Et ce n'est pas terminé. Hein. Si vous avez des questions, Yael Nadet sera donc maintenant... en dédicace dans le hall principal. Donc si vous voulez faire dédicacer un livre ou même simplement la rencontrer, eh bien, profitez-en.